Le sainfoin cultivé, Onobrichi vicifolia. Le sainfoin cultivé est aussi appelé esparcette cultivée ou esparcette à feuilles de vesse. C'est une plante légumineuse, mellifère et rustique, herbacée de la famille des fabacées. Il est originaire d'Europe. Il est cultivé pour servir essentiellement de fourrage et au potager comme engrais vert pour amender les sols secs et calcaires, car il a la capacité de fixer l'azote dans le sol. On tire également du sainfoin miel très correct. Il est toujours utilisé, mais il a tendance à être remplacé de plus en plus par la luzerne, car sa culture est plus aisée et elle a les mêmes propriétés fourragères et d'engrais vert. On le trouve dans les friches et les terrains à substrat calcaire, en bordure des champs. Il peut être très répandu à certains endroits. C'est une plante érigée aux feuilles pennées entre 6 et 14 paires de folioles oblongues à linéaires le composent. La plante mesure entre 50 et 70 cm de hauteur. Les fleurs qui apparaissent de mai à juillet, à l'aisselle des feuilles supérieures, en grappes longuement pédonculées. Elles sont de couleur rose orangée, marquées par des nervures pourpres. Elles rappellent un peu les bonbons berlingots d'antan, qui étaient striés comme ça. On appelle aussi en français sainfoin des espèces de plantes d'un autre genre, celles du genre Edisarum, comme le sainfoin de Boutigny, le sainfoin d'Espagne ou le sainfoin d'Italie, très proche. Voilà les amis pour cette plante qu'on trouve de nos jours plus à l'état sauvage, car les graines sont éparpillées maintenant et se reproduisent très facilement. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.